Hey tout le monde. Alors c'est, bonjour à tout le monde déjà. C'est Mi7, exactement Mi7GFX. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale quand même parce que c'est une vidéo contre une certaine personne se nommant Buggy Cinema. Donc déjà je vais d'abord me présenter un peu parce que je pense que pas mal de gens qui verront cette vidéo me connaîtront pas. Donc je suis GFX depuis 5-6 mois. J'ai fait pas mal de teams. J'étais trickshotter. Maintenant j'ai passé sur Battlefield, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc en fait je fais cette vidéo pour comment dire, je me suis fait j'ai acheté une chaîne à Buggy Cinema. Si dans quelqu'un d'entre vous connaît, c'est un commentateur de la Play Comedy Club. J'ai acheté une chaîne, donc en fait tout se passait bien, etc. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer, enfin pour ceux qui me croient pas, j'ai les messages YouTube, voilà. Buggy Cinema, tu en fais combien, etc. Donc là après je lui demande de m'ajouter sur Skype. Donc voilà, il m'a ajouté sur Skype. Donc j'ai toute la conversation ici. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je l'ai acheté donc cette chaîne 90 euros. C'était une chaîne partenaire, donc le prix était quand même pas assez élevé que ça parce que les vidéos que je mettrais dessus auraient pu me rembourser, on va dire un peu mes 90 euros. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout allait bien, je l'ai acheté une demi-heure après en fait, enfin pendant qu'on parlait, il me demandait de pas changer le mot de passe parce que ses abonnés étaient là, qu'il voulait garder contact avec ses abonnés, etc. Donc moi je lui ai expliqué que pour 90 euros j'avais quand même le droit de changer, enfin de changer le mot de passe et d'avoir de garder la propre chaîne, enfin ma propre chaîne quoi, que ça devienne ma chaîne à moi. Donc il voulait pas changer le mot de passe, donc on s'était quand même mis d'accord. Donc j'avais remplacé le nom de la chaîne, enfin vous savez le nom d'utilisateur au-dessus, j'ai remplacé par le mien qui était Mi7GFX. 10 minutes après il avait déjà changé pour remettre le sien. Donc je sentais en fait une embrouille comme quoi, enfin je sais pas, quelque chose qui allait mal se passer. Donc je lui ai demandé de me rembourser en fait, et c'est là où c'était le problème. Je lui ai demandé de me rembourser et donc attendez, enfin je lui ai demandé de me rembourser et il m'a pas, il m'a supprimé de Skype. Il m'a supprimé de Skype et j'ai pas repris contact avec lui. Enfin, donc là vous pouvez voir que il me demande bien l'adresse email, enfin il me donne l'adresse email à laquelle envoyer, pour ceux qui ne me croient pas. Donc là sur mon compte PayPal, vous avez bien son adresse email, les 89 euros pour ceux qui ne croient pas que je vais bien l'envoyer. Donc il m'a toujours pas remboursé. Après en fait il m'a supprimé de Skype parce que juste parce que j'ai fait un petit spam et qu'il a dit que je l'insultais alors que je n'ai rien insulté du tout. Et en fait je l'ai recontacté après sur mon Facebook IRL. Je lui comment dire, je lui ai dit qu'il allait avoir une surprise comme il m'avait pardonné mes 89 euros. Donc là vous pouvez voir qu'il m'a dit qu'il aimait les surprises, etc. Donc enfin ça après pour ceux qui veulent la conversation exactement, ils peuvent me la demander, je la donnerai. Ce qui s'est passé en fait sur la conversation Facebook, c'est que je me suis excusé des insultes que je lui avais envoyées parce que je pense que comme n'importe qui d'entre vous, ceux qui se seraient fait voler 90 euros ne seraient pas restés là sans rien dire ou en restant calme. Normal. Donc et en fait il a accepté mes excuses, il a accepté mes excuses, il s'est excusé aussi de m'avoir supprimé sur Facebook et sur Skype pardon, etc. Et il m'a dit qu'en fait il avait un problème avec sa banque et qu'il me rembourserait mes 90 euros sous 5 jours. Et juste après qu'on ait fini cette conversation, il m'a supprimé de Facebook, il m'a bloqué de Facebook. Donc là, en fait j'ai plus du tout accès à sa chaîne. C'est comme si elle n'existe pas alors qu'elle existe parce que sur mon compte Facebook, enfin Geek, Mi7GFX pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai en ami, sauf que je lui ai envoyé des messages, il m'a supprimé. Ouais, donc et en fait il m'a dit qu'il me rembourserait sous 5 jours et là ça fait 3 semaines, il m'a toujours pas remboursé. Je lui ai envoyé un message sur mon Facebook IRL en lui disant que soit j'avais mis sous pour enfin avant-hier soir, soit j'allais faire une vidéo pour l'afficher sur YouTube, donc là ce que je suis en train de faire. Et en fait je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment besoin de tout le monde sur ce coup-là. Parce que je voudrais vraiment en fait que soit tout le monde lui envoie des messages en disant de me rembourser, etc. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui a 6000 abonnés et que je pense qu'il s'en fout en fait juste parce qu'il a des abonnés, il se croit tout permis. Et j'aimerais vraiment que tout le monde fasse tourner ma vidéo. Je fais vraiment pas ça juste pour que ma vidéo ait des vues, mais vraiment. Parce que, enfin, comprenez que si ma vidéo ne fait pas de vues, Buggy, il en aura vraiment rien à faire de cette vidéo. Il y aura personne qui.
qu'il affichera sur YouTube. Enfin, personne ne connaîtra en mal. Parce que là, vous dites tous, Buggy, c'est quelqu'un de bien. Il a fait des vidéos pour la PCC, il fait des vidéos marrantes, etc. Mais c'est ce que tout le monde a cru. C'est ce que tout le monde a cru. Mais j'ai quand même vu le. Parce qu'il s'est vraiment passé avec lui. Sur les mensonges qu'il a pu me dire. Donc déjà j'ai le soutien pardon de la Play Comedy Club qui m'a dit qu'il mettrait un commentaire de soutien, donc ce que j'ai vraiment apprécié. Donc je vous remercie vraiment si vous écoutez cette vidéo, tout le monde. J'ai envoyé un message à DiabloX9 aussi, il m'a pas répondu. À Best Model, il m'a pas répondu non plus. Mais j'espère vraiment que tous les petits youtubeurs, n'importe, que ce soit qu'ils aient 100 ou 2000 ou 50 000 abonnés, feraient vraiment tourner cette vidéo, parce que faut vraiment qu'on s'aide entre la communauté. C'est pas 5€ quand même qui m'a volé, c'est quand même 90€. C'est quand même 2-3 mois de création de graph. Bon, d'autres GFX diront ouais, c'est pas beaucoup, mais je fais quand même pas mal de création gratuite. Donc ce serait vraiment cool que tout le monde fasse tourner cette vidéo. Voilà, bon, c'était tout. Je voulais juste remercier Art Vodka, un pote et un très bon pote IRL qui m'a prêté son micro pour cette conversation. Vous avez remarqué que j'ai quand même un bon micro. Donc c'est tout. Vous avez tout vu. Si n'importe quoi, pour tous les gens qui veulent la conversation Skype, pour ceux qui me croient pas, la transaction PayPal, la conversation Facebook, etc. Enfin tout, vous pouvez tout me demander, je vous donnerai tout dans les commentaires, je vous laisserai des liens, des screens dans la description, je pense, des screens du PayPal, etc. J'espère vraiment que tout le monde m'aidera sur ce coup, parce que j'ai vraiment besoin de vous. Salut tout le monde, c'était Mi7.